Comment congeler les aubergines? Bricoler et construire demande certains efforts. Il faut donc quand même de temps en temps penser à se restaurer. Tout le monde sait que pour cela, les fruits et légumes doivent le plus souvent possible se trouver dans nos assiettes. Parallèlement à mes activités de bricolage, pour me procurer ces aliments, j'entretiens un petit jardin potager qui me permet de consommer bio. En matière de jardinage, tous ceux qui, comme moi, ont cette chance de posséder un jardin potager savent que les années se suivent et ne se ressemblent pas. En ce qui me concerne, cette année, j'ai une production exceptionnelle d'aubergines. Donc, pour ne pas gaspiller cette manne providentielle, j'ai trouvé une astuce qui consiste à congeler ces fruits. La seule manière efficace que j'ai trouvée est celle-ci. Premièrement, je pèle les aubergines. Puis, je les coupe en tranches relativement fines. Ensuite, je les dispose sur un plateau que j'ai recouvert au préalable d'une feuille de papier de cuisson. J'en fais ainsi plusieurs couches, toujours intercalé d'un papier de cuisson. Je place ensuite ce plateau bien garni dans le congélateur. 48 heures plus tard, je prends délicatement à l'intérieur du congélateur les tranches une à une avec une petite pince à sucre pour les placer dans des sacs de congélation. Et voilà, c'est tout simple. Cependant, il faut pour les consommer par la suite observer quelques précautions. Il ne faut surtout pas les faire dégeler, car elles seraient alors impossibles à préparer pour un plat quelconque. Il faut les plonger dans de l'huile bouillante directement ou dans un four chaud. Elles peuvent ensuite se travailler comme des aubergines fraîches.